Sonatrach, le PDG Toufik Hakkar, limogé par Tebboune. La Sonatrach a connu un nouveau changement à sa tête après 4 ans de stabilité. Le PDG de l'entreprise Toufik Hakkar a été limogé par Abdelmadjid Tebboune le 2 octobre dans la soirée. Le communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines indique que le chef de l'État a nommé un nouveau PDG pour le groupe. Il s'agit de Rachid Hashishi qui devient ainsi le 13e dirigeant de Sonatrach depuis 1999. Ce nouveau PDG n'est cependant pas étranger au groupe. Il avait été nommé à la tête de Sonatrach en février 2020 à la place de l'ancien PDG du groupe Abdelmoumen Oltkhadour. Après 7 mois à la tête de Sonatrach, M. Hashishi avait été remplacé en novembre 2019 par Kamel Eddine Chéri, qui à son tour a laissé sa place à Toufik Hakkar. Le nouveau responsable du plus grand groupe algérien compte faire de la satisfaction des besoins du pays en carburant et de l'augmentation des exportations algériennes d'hydrocarbures ses priorités, d'après les premières déclarations qu'il a faites après sa nomination. Il a également insisté sur le fait de renforcer l'exploitation et les capacités de transport, par pipeline et par bateau, ainsi que sur les efforts de commercialisation.